Les fêtes de fin d'année s'annoncent dramatiques pour des millions d'Américains. Une vague de froid sans précédent plonge la majorité du pays dans des froids records. Plus de 8000 vols annulés, 1,5 million de personnes privées d'électricité, des inondations catastrophiques. À Buffalo, dans l'ouest du pays, les températures ont atteint les moins 48 degrés. La ville entière est paralysée. À Cleveland, dans l'Ohio, 4 personnes sont ainsi mortes dans des accidents liés à la tempête. Plusieurs États ont déclaré l'état d'urgence. D'autres, comme le Colorado ou l'Illinois, ont ouvert des refuges pour accueillir les personnes dans le besoin, afin de les protéger des risques d'hypothermie. En raison des températures très basses, la pression sur le réseau électrique américain est par ailleurs extrêmement forte. Certaines villes, notamment en Caroline du Nord, ont dû couper temporairement le courant à cause de la forte demande électrique, laissant plus de 500 000 foyers sans chauffage.